Alors, est-ce que le Stéphanois va prendre l'avance? Il est complètement à l'intérieur. Rago Richard est en train de prendre la première position en rentrant dans la deuxième ligne droite. Cancurel est à la deuxième place. Pilar, me semble-t-il, Arthur Dieng des cycles évasion avec la plaque numéro 130, était sur la troisième marche du podium en abordant la mi-parcours. Sur les arrières, Codé Damien, le pilote pooling pour la DN de Compiègne, prendra la quatrième position. Victoire ici sur cette terre de Rago Richard Matisse, le Stéphanois Saint-Étienne BMX remporte la dixième et dernière manche de la Coupe de France.